Tiens, bah. Bon matin, j'espère que ça va bien. J'avais pas mes lunettes, moi. Alors là, j'ai finalement terminé le concept pour les œufs. Ça va être bon. Je vais faire des œufs marinés pour mettre sur le ramen. Je vais sûrement devoir filmer la vidéo la semaine prochaine. Fait que ça va être parfait. Tu comprends? Oh oui, toi tu te fais chauffer. Ah, toi tu te fais chauffer ce matin, Albert. Oh oui, ça se fait chauffer. Ah oui, tu veux que je gratte ton oreille? T'aimes ça te faire gratter l'oreille? Oh oui, t'aimes ça beaucoup. Vas-y, mon gros. Ça le fait bailler. Ah, il fallait boire de l'eau. Je sais exactement qu'est-ce qu'il fait. La source de bonheur est complétée. C'est l'heure de goûter. Délicieuse. Ya! Un matin, c'est fait. Je pense qu'il fait comme 2 ou 3 degrés. Mais là, ça a peut-être un peu réchauffé là, depuis que j'ai regardé un matin, mais quand même. Aujourd'hui, j'ai comme vraiment juste à préparer la cuisine, le salon pour comme la venue de mon ami qui va me filmer tantôt. Fait que, c'est juste pour que ça soit propre, mais sans que ça ait l'air d'un magazine, tu sais. Parce que, maintenant, les comptoirs sont tachés, et puis, pensez l'aspirateur, si jamais on filme un peu, tu sais, puis qu'on voit le plancher, j'ai pas envie que dans mes belles vidéos, il y ait de la poussière. C'est ça, puis Jeff a congé aujourd'hui, fait qu'il va m'aider avec ça. Puis après ça, je pense qu'il va faire un petit chandail d'Halloween pour Albert. Mais, c'est toujours, c'est ça. Ça va dépendre de comment ça se passe la journée, mais. Il m'a dit qu'il voulait faire un chandail avec un petit squelette dessus pour Albert, pour mon lancement de livre. Parce que c'est comme la veille de l'Halloween, tu sais. Puis je pense que ça va être cute. Albert, il adore porter les chandails parce qu'il est frileux. Tout comme moi. Sauf que moi, à l'intérieur, si j'ai un pull, je vais l'enlever rapidement. À moins que ce soit un pull ample. Je me rappelle quand je travaillais, mettons, dans un magasin là, au H&M, que je m'étais toute bien habillée avec une chemise ou un pull. Après une demi-heure, je l'enlevais parce que genre je bougeais trop. Puis c'est faire du sport en esti, travailler au H&M, là, je peux te le dire. Surtout que moi, je faisais la présentation visuelle, fait que tu monte dans une échelle, descends, fais un mannequin, bouge des vêtements. Tu sais, j'étais pas genre juste à la caisse. Ben, tu sais, juste à la caisse. Tu sais, quand t'es à la caisse, mais ah, t'as chaud quand t'es à la caisse, Chris, t'as chaud. T'enchaînes en esti les clients, là. Non, je retire mes paroles, tout le monde. Je vais peut-être même couper ce bout-là. Je suis vraiment excitée parce que demain, c'est vendredi. Déjà. Puis, il y a plein d'affaires qui se passent. J'essaie de profiter vraiment de chaque jour pour pas trop que, tu sais, le décompte jusqu'à la sortie de mon livre se passe rapidement. Déjà que je trouve que ça va vraiment vite, là. Tu sais, il y a des affaires qu'on essaie de planifier puis que je suis comme, c'est dans 2 semaines, genre. T'sais, on peut-tu planifier ces affaires-là ou c'est trop dernière minute? Fait que, anyways. Puis là, le pumpkin patch, merci pour vos idées. J'ai regardé à des places, mais j'ai même écrit à 2 endroits sur Instagram. Je leur ai des DM. Puis les deux m'ont répondu que, tu sais, vers la fin octobre, c'est moins nice de venir dans le sens qu'ils sont comme, ils se font dévaliser, littéralement. C'est vraiment fin septembre, début octobre, première fin de semaine d'octobre. Puis aussi l'Action de grâce. Après l'Action de grâce, là,
c'est comme, il y a moins de citrouilles. Là, il y a eu un gel en plus cette nuit, fait que les fleurs, il y avait un champ de tournesol. Le champ de tournesol, il est rip, là. Je suis un peu déçu de m'être pris en retard, mais bon, c'est la vie. Alors là, j'ai finalement décidé de torcher le dessus du four avec du Easy Off. C'est ultra chimique, je m'en calisse parce que c'est complètement encrassé et j'en peux plus. Fait que là, je vais laisser ça mariner. J'ai mis des saran wrap par-dessus pour pas que ça sèche. Je vais laisser ça mariner pendant comme le plus longtemps possible, mais pas trop longtemps parce qu'il va falloir qu'on utilise le four à midi. Mais tu sais, je vais voir ce que ça donne. Ça va enlever une couche quand même, mais ça sent extrêmement fort. Alors, je pense qu'on va aller dans la chambre. Tu viens-tu, Albert? On va aller dans la chambre parce que là, ça sent vraiment fort. Ça sent chimique. Puis toi, avec ton nez, là... Allez, Lego Labs. Je me suis rasé, ça a saigné, mais comme d'habitude. Dans la douche, parce que là, si je me rase dans le lavabo, vu que ça génère beaucoup d'eau, le lavabo va refouler. C'est pas encore réglé ce problème-là. Le propriétaire, il m'a toujours pas répondu parce qu'il est dans le sud. T'imagines, il écoute ces vlogs-là. Rasé dans la douche avec mon sel qui est en train comme de. Avec ma caméra vers moi. Puis là, je suis là, tu sais. Anyways, j'ai pas de miroir dans la douche, là. Tu sais, moi, je me rase jamais dans la douche, là. Finalement, aujourd'hui, on torche, on lave le four comme je t'ai déjà montré. La hotte, elle était recouverte d'une couche de graisse. Écoute, ça faisait je sais pas combien d'années qu'on n'avait pas lavé la hotte. Tu sais, des fois, je passe un petit linge rapido quand il y a comme la poussière qui s'accumule dessus. Mais là, Jeff, il a vraiment décrassé, là. Oh, c'était dégueulasse. Puis là, elle est comme vraiment plus propre. Tant mieux, là, on va torcher un peu la cuisine. Parce que c'est rare qu'on est en congé les deux en même temps. Le chien du voisin, j'appelle parce qu'il y a quelqu'un. Ah, c'est-tu que ça m'agresse? Ce que je veux dire, c'est quand on est en congé les deux, nous autres, on crisse notre camp, là. Mais là, vu que c'est jeudi, Jeff a congé, on va torcher vu que mon ami vient filmer, fait que ça va être un peu propre. En plus, c'est même pas une vidéo de cuisine. Je pense qu'il va y avoir une vidéo dans la cuisine, fait que tu sais, ça va être propre. Dit le gars qui vient de filmer la semaine passée une vidéo Chef's Plate avec le four complètement rip. C'est la réalité. La réalité, c'est qu'on n'a pas tous des beaux fours propres comme les gens à télé, là. Non, 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 non. La réalité, c'est qu'on a des fours un peu rip des fois. Il est 11h. Fait que ça a quand même passé vite. J'ai quand même hâte que Kevin soit là, puis que le chien soit géré, puis qu'on commence à filmer parce qu'on dirait que je suis un peu stressé. Je ne sais comme pas trop comment que ça va se passer. En fait, c'est que j'ai surtout hâte d'ouvrir la boîte et de voir mon livre physiquement. Tu sais, moi, j'ai juste vu des fichiers PDF et surtout des fichiers Word que j'importais dans Google parce que moi, j'ai pas Word là, sur mon ordi, mais c'est pas grave. C'est la même affaire. Tu sais, de le sentir, de le manipuler, de regarder les photos, les recettes, le poids du livre aussi, ça va être vraiment une expérience. Je planifie faire des vidéos avec mon livre, là. Vous ne serez pas plus capable d'en entendre parler, mais je m'en fous parce que c'est mon produit, ce n'est pas le produit d'une autre compagnie. Je vais l'intégrer dans une vidéo, vous verrez pas ça, bing bang, le livre Antoine est là. Ça fait pas un an que je fais ça pour rien là, avec Pratico. Tu sais, ça fait depuis septembre 2023 qu'on fait ça. Les trois derniers mois étaient vraiment plus intenses que les premiers mois parce qu'au début, c'est vraiment brainstorm, tu sais, c'est des idées. Mais ça, je vais en parler dans un live. Je prévois faire un live sur YouTube. Je croise les doigts que je vais vraiment le faire, mais tu sais, probablement la semaine prochaine. Dans le fond, un des Vlogtober, ça va être un live, je pense, que les gens vont pouvoir me poser des questions. Tu sais, on va juste chiller pendant comme une heure et demie, peut-être deux heures. Je lance vraiment ça dans l'univers, dans le sens où c'est pas confirmé, là. Mais c'est une idée que j'ai eue. La semaine prochaine, je vais avoir des journées que je vais être au chalet. Fait que tu sais, ça pourrait être zen, je pars un feu. Puis en plus, j'ai l'internet crissement rapide au chalet. Fait que je branche le fil dans mon ordi, là, puis on va pouvoir streamer. Moi, depuis que j'ai l'internet rapide, là, je suis vraiment excité. On dirait que j'étais arriéré en termes d'internet. Je peux pas croire que sur le plateau Mont-Royal, il n'y avait pas plus vite que 500 mégabytes. C'est pas beaucoup, là. Mon ami à Shawinigan, Chris, il a genre 1 gigaoctet, puis... Like, arrive en ville? C'est littéralement ça, arrive en ville? L'internet? C'est parce qu'il n'y avait pas la fibre. Puis là, ça fait comme un an qu'ils sont en train de l'installer, ish, là. Là, ça rentre au poste. Ben, au chalet, j'ai finalement décidé de prendre un autre internet, là. Parce que là, il y avait un rabais, fait que j'ai pris le rabais. Moi, je ne vis que par des rabais, là. Surtout avec la télécommunication, là. That's the update. The upgate. J'ai pas d'autres mises à jour à part ça, là. Je regarde mon calendrier. Demain, j'ai 3 meetings le matin.
Puis après ça, il faut que je filme des BD pour la campagne Célébrons-nous, donc Made Nous. Tu sais, des fois, je fais des vidéos à chaque mois, je parle des trucs qui sont faits au Québec. Puis là, je vais parler de Dead by Daylight. Je suis très excité parce que j'adore ce jeu. Je connais bien les gens de Chibi Behavior, évidemment. Mais là, peut-être un petit peu moins parce que ça fait quand même un an. Le roulement du personnel a quand même un peu changé probablement, mais je sais qu'il y a encore des gens qui sont là que je connais. Fait qu'il faut que je fasse... Je vais faire probablement deux vidéos. Une vidéo que je suis survivant, puis une vidéo que je suis tueur. Puis j'ai peut-être envie de jouer Michel. Ben, Michael Myers. Moi, je l'appelle Michel. Mais là, je suis en train de me dire que, tu sais, je pourrais faire un live Twitch, enregistrer le live Twitch, puis ça serait mon contenu pour la vidéo. La vidéo va durer une heure. Il faut que ça soit des vidéos de 1 à 1 minute 30, là, avec Célébrons-nous. Mais, tu sais, je pourrais profiter de tout ça pour, comme, faire un live. Parce qu'en live, je suis extrêmement agressant. Ceux qui savent, ils savent. Je sais que vous êtes là puis que vous le savez que je t'agresse en live. On finit ça avec un petit nez qui mouche parce que là, on a brassé bien de la poussière. Un bon haïdou avant d'ouvrir la boîte de mon livre de recettes, tu sais. Un bon resto. Ça va être so good. Tu peux pas la... Ouais, il y a comme un... Pas 22 août, mais c'est pas des dates de 22 août. Presque dans une forêt. Une forêt qui dure 30 secondes. Profitez du four propre et du côté de frigidaire propre parce que ça va pas durer longtemps. Ça l'a décrassé à 92%. Tout ça c'est torché, tout ça c'est torché. On a torché le tapis dans le sens qu'on a mis la petite poudre de... la peau de tapis là. Du Arm & Hammer. On a torché ça, on a passé l'aspirateur. Ben, GF, il a fait ça. Moi, je faisais d'autres affaires. La salle de bain est torchée. Là, j'ai ouvert une bougie d'ambiance. En mode ambiance. Kevin s'en vient dans quelques instants. J'ai dit 1 heure, mais tu sais, peut-être ça va être 1h10. Ah, il est juste 12h37. Je pensais qu'il était genre 12h50. Ben, on a le temps de chiller. La bête! Oh, ça c'était quasiment en cuisson tantôt là. Jeez, oui. Ben, ça cuisait. Le Coyo de Loco! Alors, un petit peu de moule verte en mode articulation. Oh, via! J'ai peut-être un peu abusé la moule verte, t'en auras pas pendant quelques jours, Albert. Hey, ça sent le poisson, cette affaire-là. Cheese, Louise. Ça sent quelque chose. Puis ça, ça pue le viard. Ça sent le... Je vais vous dire ce que ça sent. Ça sent le... la valériane. Tu sais, de la... Ça sent la vieille valériane. Tu fais un petit saut pour tes rotules? Pas de saut aujourd'hui, parfait. Assis. Reste. Reste ici, mon amour. OK. Quelle journée... dont je vais me rappeler toute ma vie. C'est ça, cet après-midi, on a filmé 3 vidéos. Une vidéo de déballage, une vidéo de présentation et une autre vidéo. C'était très spécial de voir le livre en vrai. Les couleurs, la texture, les photos qui sont magnifiques. Ils ont vraiment pris des belles photos pratico, là. Tu sais, c'est pas les premières photos qu'ils prennent, là. J'ai une pub de Fizz. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont baissé leur forfait? Point d'interrogation. Ceux qui sont avec Fizz, là, je sais pas s'il y en a qui sont avec Fizz dans mes abonnés ici, mais il faut toujours aller voir le contrat. Parce que le prix baisse constamment. Je pense que depuis 5 ans, à chaque année, je dois gagner 4-5 piastres sur mon contrat, soit d'Internet ou de cellulaire. Alors, on va aller dans la section « Ton compte ». Donc, tu cliques sur ton nom. Leur site est lent, par exemple. Tu vas dans « Tes forfaits ». Puis là, tu vois tes deux... Moi, j'ai 2 forfaits. J'ai mobile, j'ai Internet. Là, tu peux faire « Gérer le forfait ».
Puis là, tu fais après modifier mon forfait. Puis là, une fois que tu as cliqué sur modifier ton forfait, si tu as un update, ah non, faut que tu recliques encore sur modifier mon forfait. Il y a beaucoup de modifiés là. Fait que voilà, il n'y a pas de forfait moins cher présentement. Parce que j'ai pas eu de. Mais pour moi, je parle. Parce que si toi, tu l'avais pas fait depuis quelques années, ça se peut que tu aies besoin de le faire. Fait que là, j'ai pas reçu de pop-up. Fait que je fais annuler. Tu retournes à la section gérer. Là, je vais faire la même chose, mais pour l'Internet. L'Internet, je viens récemment de le changer. Fait que d'après moi, il n'y a pas de nouveau forfait. Modifier mon forfait. Modifier mon forfait. J'ai pas de pop-up. Mais tu sais, je m'en doutais, là. C'est quand même très récent. Fait que je quitte ça. Je suis très content de mon livre. C'était vraiment hot de voir le résultat final. Mais on dirait que le résultat vraiment final, ça va être quand je vais le voir dans un magasin. Moi, c'est parce que le 30 octobre, tu le sais, qu'est-ce qu'on fait le 30 octobre? Je pogne la caméra et on s'en va se promener dans les librairies du Plateau Mont-Royal. Renaud Bré. Il y a deux Renaud Bré que je peux quand même aller facilement. Il y a des librairies plus comme indépendantes. Tu sais, je m'attends pas nécessairement qu'ils soient dans toutes les librairies indépendantes, mais la fille, elle a dit qu'il envoie ça vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de librairies indépendantes. Moi, je comprends pas ce qui se passe. J'ai envie d'aller voir au Canadian Tire, mais mon Canadian Tire, le Canadian Tire proche de chez nous est vraiment cheap. Mais tu sais, mettons qu'il est au Canadian Tire. Tu sais, dans les plus gros, je le sais qu'ils ont des rackings pratiques dans les milieux d'allées, des fois, au bout des allées, ils ont comme un racking, tu sais, qui spin, puis ils ont toutes leurs revues. Mais moi, je vais être là-dedans. Mon esti de voyage. Toutes les vidéos que j'ai filmées aujourd'hui, je vais commencer à les publier dès lundi. Alors, je vais vous le dire parce que vous, sur YouTube, vous êtes hot. Tu comprends? Le monde sur TikTok, on leur dit pas. Mais vous autres, lundi, il va y avoir une première vidéo. Mercredi, le 23 octobre, il va y avoir une deuxième vidéo. Et vendredi, le 25 octobre, il va y avoir la troisième vidéo qui est très excitante pour le, je m'en ai dit pour le public, pour mes abonnés. Soyez prêts. Puis après ça, le lundi 28 octobre, je vais présenter une recette. Je vais essayer, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, là. Je vais essayer de prendre le temps de faire une recette. Puis le 29 octobre aussi, ou le 29 octobre, ça... Ouais, là, c'est ça, là. Je vais peut-être refaire un live le 29, mais sur TikTok, genre. À chaque jour, il va y avoir quelque chose. Hey, tu sais, moi, c'est parce que j'ai pas la fille de marketing puis la planificatrice du calendrier avec moi, là. Tu sais, faut que je fasse ça tout seul. C'est un peu intense. Une chance que j'ai pas fait le livre au complet. Dans le sens que j'ai pas fait le graphisme, j'ai pas pris les photos, j'ai pas corrigé les textes, j'ai pas géré la moitié des choses, j'ai juste fait des recettes. Fait que, tu sais, c'est correct. Je vais arrêter de parler parce qu'il faut que je fasse le montage de ma vidéo. J'avais commencé, mais tu sais, je dois quand même la terminer. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!